Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, Adobe France, bravo, bonjour. Je suis tout seul aujourd'hui. Oui, en effet, nous sommes de retour pour le vendredi de la section pour le design personnel. Et voilà, ma partenaire Lucie n'est pas là aujourd'hui. C'est moi qui vais driver pour les prochaines semaines. Ce sera moi maintenant. Je suis tout seul. Mais en tout cas, bonjour et merci d'être là. Tout le monde qui est là sur le chat, n'hésitez pas à me donner des commentaires, dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel et quels sont challenge nous permettra de vous donner encore plus d'astuces et plein de questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Pour vous qui regardez le live sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur la page Beyond Live France pour nous retrouver. Vous aurez possibilité de faire plus de chat et de tout écrire sur le chat. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On a vu plein de choses les semaines dernières. Aujourd'hui, nous allons parler de logo. En effet, qu'est-ce qu'un bon logo? Comment créer un logo unique qui se surpasse? Et tout ça en utilisant uniquement Adobe Express. Allez, on y va. Aujourd'hui, on a une belle session devant nous, comme toutes les semaines d'ailleurs. Allez. Pour ceux qui ne se souviennent plus de qui je suis ou c'est la première fois que vous veniez, j'aime toujours rappeler qui je suis. Je suis Adrien Châtelet. Je suis votre host, votre lecteur de la journée. Je suis dyslexique, passe une couleur et créatif directeur, en tout cas branding, designer branding expert. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Prime Yourself. De ce côté-là, c'est mieux. Et c'est un guide pour vous pour essayer justement de créer votre identité personnelle tout seul sans avoir à faire affaire à un designer ou en tout cas un professionnel. Bon, passons là-dessus et parlons de logo. En effet, les logos, ça peut être super compliqué, ça peut faire très peur, surtout si vous n'êtes pas un designer ou un créatif. Quelques petites règles avant qu'on commence à designer. La première question, c'est quelles sont les valeurs d'un bon logo? En effet, il y a quelques valeurs qu'il faut que vous preniez, que vous gardiez en tête pour faire un bon logo. La première valeur, c'est que votre logo doit être clair, il doit être simple, il doit être pratique, il doit être surtout visible. Très, très rapidement, les gens doivent pouvoir arriver à le lire. Si votre typographie est un peu compliquée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tout simplement. Mémorable. Pourquoi il faut qu'il soit mémorable, deuxièmement? C'est-à-dire que une image de marque, vous voulez que quand quelqu'un voit votre identité visuelle, vos logos, vos graphiques, ils s'en souviennent et que ça ne se passe pas derrière leur mémoire. Donc, il faut faire en sorte de créer un logo qui soit un petit peu unique, qui soit différent, qui ait quelque chose dans ce logo qui va créer un impact, qui va permettre aux gens de s'en souvenir. Et troisièmement, je vous l'ai dit aussi, unique. Donc, ça, c'est pour ajouter à l'idée d'être mémorable. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Imaginons que vous recréez le même logo qu'une autre marque. Par exemple, un, ça vous pose des problèmes et deux, les gens ne vont pas s'en souvenir. Ou quelque chose, une forme qui est utilisée un peu trop couramment. Les gens vont toujours voir cette forme et ne vont jamais associer cette forme à votre logo, à votre image de marque. Donc, c'est pour ça que les trois valeurs importantes d'un logo, c'est d'être clair, mémorable et unique. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer des petits exemples de à quoi faire, ne pas faire. Ici, il y a deux logos et le logo de gauche est un mauvais logo parce qu'il est un petit peu trop compliqué. C'est vrai que quand vous regardez, il est esthétiquement très joli, mais si on le regarde de loin, on a du mal à lire d'ailleurs la deuxième partie du mot qui est le T-O-N, le petit E en haut, le apparemment, et on y a plein de petites feuilles au-dessus. Tout ça, c'est pas forcément très clair. Donc pour un logo, il n'est pas moche ce logo, mais il n'est pas très efficace. C'est-à-dire que si je le vois de loin ou très rapidement, j'aurais du mal à le lire. Comparé à Cool Plus, plus-ci ou plus, comme vous voulez le dire, à côté, ben là, c'est super pratique, super simple, de loin comme de près, je le vois très clairement, je peux lire très clairement. Et il a toujours une partie très originelle, qui est assez intéressante avec ce U et le S à la fin, un peu unique. Donc voilà, ça, c'est un exemple simple pour vous dire qu'avoir un logo simple et clair, c'est très important. Ensuite, là, regardez le JUS comparé au Matisse. Ce JUS, bon, c'est vrai que c'est intelligent quelque part. On dit JUS, le verre d'eau avec l'orange. Ah ben, je comprends, c'est intéressant. Mais bon, j'avoue que, soyons honnêtes, on regarde ce logo, ça fait un peu, je dirais, Windows 98, ça fait un peu old school. Et j'aime bien dire que ça fait pas tellement temporel. Ça va être marrant, ce logo, pour quelques années. Après, il sera un peu updaté. En tout cas, il aura l'air pas forcément très joli. Alors que la fonte à côté qu'on voit, la typographie Matisse, qui est un logo, ça, c'est super joli. C'est super esthétique. Et je vois que ça bougera pas. Dans 20 ans, ce sera toujours aussi esthétique et super joli. Donc ça ne bougera pas. Donc, soyez aussi bien mettre en sens qu'un logo qui est peut-être un peu trop,
un peu trop attaché à son époque et un peu trop simple quelque part, comme le juste, va pas forcément très bien marcher dans le temps. Ensuite, mémorable. Quand on voit là les deux logos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le logo de gauche est un logo, on va s'en souvenir parce qu'il n'est pas commun. Moi, j'en ai jamais vu des logos comme ça, le Combio, comparé à Sarah Parker. Sarah Parker Photographie, franchement, j'ai dû en voir au moins 50 logos similaires de photographes avec l'écriture à la main, très basique, tout le monde l'utilise la même. C'est vraiment, tu vois, c'est un peu comme l'image avec la personne qui tient sa cup de thé devant son ordinateur, c'est toujours la même chose, c'est pas unique du tout et on s'en souviendra jamais. Alors que c'est vrai, à gauche, il est peut-être un poil trop créatif et il peut faire un peu peur à des gens, mais en tout cas, on s'en souviendra pour sûr. Vous le voyez une fois, vous n'allez jamais vous l'oublier. Donc ça, c'est intéressant aussi. Dernièrement, dans le même idée d'une question mémorable et surprenante, le logo Babycare qu'on a à côté, c'est l'icône qui est au-dessus, c'est littéralement l'illustration du mot, c'est-à-dire que les deux mains qui tiennent un cœur, Babycare, c'est symbolique, c'est simple, mais ça va chercher nulle part, c'est très terre à terre, c'est assez basique. Les gens vont voir ça, bon, encore un autre logo, passer à autre chose. Comparé au logo de droite, qui est complètement hallucinant avec toutes ses couleurs, c'est probablement un B. Vous le verrez une fois, vous l'oublierez jamais. Donc voilà. Là, c'était quatre petits exemples pour montrer que un logo, quand il est clair, quand il est mémorable et quand il est, et le troisième, j'ai oublié bien sûr, et quand il est mémorable et unique, ce sont des logos, on va s'en souvenir, ils vont faire un impact et à chaque fois qu'on va penser à votre image de marque, on va voir le logo et ça va être très important et très, va créer un impact très fort pour vous. Ensuite, quels sont les types de logos? On va aller très rapidement, ça c'est de la théorie, on m'a demandé de faire un peu moins de théorie, un peu plus de pratique, donc je vais aller assez rapide là-dessus. Mais en quelques lignes, il y a une grande famille de logos. Les premiers, c'est les mots symboles, après on a les monogrammes, les pictogrammes, les logos abstraits, les mascottes, combinaisons, emblèmes. Si je vais un peu vite là-dessus, c'est que je veux pas que vous les appreniez par cœur et vous pouvez prendre plus de temps à aller sur Internet et en rechercher plus. Moi, ce qu'il faut que je veux que vous souveniez de la leçon d'aujourd'hui, c'est que pour le personal branding, une chose, et on en a parlé dans l'une des sessions précédentes, la session de la typographie, une superbe typographie sera toujours mieux qu'un logo médiocre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que vous n'avez pas forcément le temps, ni les capacités, ni même la connaissance du design d'un logo pour aller créer un logo super complexe qui va vous prendre beaucoup de temps et vous n'avez peut-être pas forcément faire le meilleur travail du monde si vous n'êtes pas un designer focalisé sur les logotypes. Et ça va vous prendre du temps et de l'argent et vous allez sûrement faire un logo médiocre. Alors que commencez par une superbe fonte, que vous pouvez prendre le temps de rechercher, ce sera toujours plus efficace qu'un logo médiocre. Et là, j'ai quelques exemples pour vous. On pense à Volvo, Prada, Dior, Sony, Gradient, Ford, Tiffany & Co. Tout ça sont des grandes images de marque, sont des grandes marques qui n'ont pas eu pas eu besoin, en tout cas, de créer un logo complexe avec une mascotte, un emblème. Ils ont juste pris une typographie magnifique et ils l'ont utilisé comme logo. Donc ça, voilà, pour éviter d'avoir des mal de tête tous les jours, essayez de faire votre logo vous-même et pas y arriver pour prendre des mois et peut-être même payer des designers ou les amis d'amis qui vont vous faire un logo, ce sera jamais parfait. Commencez par une belle fonte, ce sera mieux. Donc pour finaliser ça, quand on revient à nos logos, si on l'a aujourd'hui, moi je vous donne comme en tout cas comme ah je sais même jamais comment on dit ça en français, le advice. Je vous donne comme aide un conseil. Voilà, merci l'oreillette. J'adore ça, c'est magique. J'ai l'oreille qui me dit. Je vous donne comme conseil de vous focaliser sur uniquement les mots symboles. Donc, c'est-à-dire vous trouvez une belle fonte, une fonte unique et qui va vraiment vous donner la chair de poule et vous écrivez le nom de votre compagnie ou alors un pictogramme si vous cherchez un petit peu un logo ou alors un visuel qui reflète vos valeurs, votre énergie, ce que vous voulez passer au monde et vous focaliser là-dessus. Et ça, tout ça, c'est accessible en utilisant Adobe Express. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, dans les semaines précédentes, nous avons vu que nos valeurs, c'était calme, positive et humaine. On a trouvé la fonte, les couleurs, les graphiques et ainsi de suite. Maintenant, on va créer le logo aujourd'hui. Et j'ai pris comme idée, c'est un nom complètement banal qui s'appelle Babel. Et on dira que c'est une super cool coworking space à Marseille. Et maintenant, on va faire le logo pour ça.
Donc, voilà, action, sortons de notre présentation. Nous allons sur notre Adobe Express, voilà. Tadadam. Si vous vous souvenez bien, là, je viens d'ouvrir notre charte graphique que nous sommes en train de créer ensemble. Et je tiens à vous rappeler que cette charte graphique est à chaque fois updatée. En tout cas, je la mets à jour dans la librairie avec le lien qui est dans la vidéo. Pour vous, allez, vous pouvez y aller, vous récupérez tous les designs que je fais, regardez toutes les types de calques et ainsi de suite. Donc, voilà, nous étions calmes, nos valeurs calmes, positives, humaines. Voilà, c'est nos couleurs. Nos fonds, la police primaire à Boro, la police secondaire de Tex qui est Lato. Nous avons les images magnifiques. Nous avons comment on traite les images. Nous avons notre style graphique, notre mood board style graphique, notre style graphique que nous avons créé la semaine dernière. Regardez ça, c'est magnifique. Et maintenant, c'est l'heure du logo. Et qu'est-ce qu'on fait avant toute chose? On ne se jette pas d'un coup, on va faire une mood board. Alors moi, j'ai fait ma mood board tout à l'heure pour vous. Voici un peu mon inspiration, que je trouve assez agréable, que ce qui me donne en fait la chair de poule, ouf, ça serait sympa. Il y a deux directions où nous allons travailler aujourd'hui. La première, qui est quelque chose de très simple, très 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 académique en quelque sorte. J'aime beaucoup regarder le Oster Bar. Donc c'est assez sympa comme ils ont écrit le mot Osters. Donc on est en lettres capitales, pas mal d'espacement entre les lettres et un mot en dessous un peu plus fin. Je trouve ça assez intéressant. Et là, en dessous aussi, même catégorie, on a toujours ces grands mots en capital avec pas mal d'espacement et des écritures en haut, en bas. Mais j'aimais bien aussi comme ils ont utilisé l'idée de faire tourner le texte autour d'un élément central. Je trouvais ça assez cool. Et ensuite, on va voir comment on développait. J'aime bien aussi l'idée de ces quatre petites icônes où là, on a des lettres de différentes typographies pour créer le même mot. Et personnellement, j'aime beaucoup ce A là. On en reviendra dessus dans quelques secondes. Allez, allons-y. Étape 1. Donc, je me suis créé ma page. J'ai mon inspiration à gauche et maintenant, on va y aller. Donc, allez, on va chercher le texte. Hop, je vais juste ajouter un texte au milieu. Super, on va écrire Babel en capital, bien sûr, parce qu'on aime justement ce style capital. Ensuite, nous allons juste chercher notre fonte de notre charte graphique qui est Aboro, ici. Tadada. Voilà, magnifique. Maintenant, on l'a. Et comme on avait observé dans cette belle moodboard qu'on a fait, les lettres sont assez espacées. Donc, nous allons espacer les lettres en premier temps. Je clique dessus. On va sur les espacements, les espacements. Et lettres. Oh, je suis en anglais. Je suis désolé. L'espacement des lettres, ici, on l'a fait. Ici. Donc là, vous voyez, je vais mettre peut-être même un peu plus gros. Plus on met de l'espacement, généralement, plus ça crée un sentiment assez. C'est smart, c'est assez beau, c'est assez joli, c'est assez classique. Quand c'est assez serré, ça peut être un peu plus rigoureux, un peu plus costaud. Donc, en laissant de l'espacement, ça laisserait bien respirer, c'est assez agréable comme ça. Ensuite, j'aime bien l'idée d'un second mot qui est en dessus et peut-être même au-dessus. Donc, je vais rajouter encore, on va dupliquer ça. On va écrire, par exemple, non, ça, c'est pas dupliqué. Ici, dupliquer, comme ça. Voilà. Et on va écrire, par exemple, coworking, parce que c'est un coworking space. Allez. Working. Et je l'écris encore en capital parce que ce sera plus joli avec le nom Babel. Par contre, on va créer un contraste, c'est-à-dire on va créer une grosse différence entre ces deux mots l'un à l'autre. Donc, au lieu d'Aboro, je vais chercher ma seconde fonte qui est Lato. Et Lato régulière, c'est sympa. On peut même voir si on n'a pas un truc un peu plus fin qui pourrait être sympa comme tout. On va commencer par Lato Light. Et là, on va faire par contre la taille, on va pop, 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 pop. Beaucoup plus petit et on va centrer au-dessus. Moi, j'aime bien, mais peut-être light, c'est un peu trop fin. Donc, on va rester en régulière. Voilà. Et regardez, j'ai gardé quand même beaucoup d'espacement, ce qui est joli. On peut même mettre un légèrement plus grand parce que du coup, on voit plus. Et on va même se dire qu'on va en faire. Hop, j'y arrive. Voilà. On va le dupliquer encore une fois et je vais aller écrire la location juste en dessous. Et regardez, en mettant en dessous, je crée une jolie symétrie en gardant le même espacement ici, et je vais marquer Marseille. Marseille. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans le chat ou c'est que des Parisiens? Je suis désolé, j'ai pris Marseille. C'est pas parce que je viens de Marseille. C'est que ça m'a inspiré. C'était comme ça dans le métier. Mais on pourrait faire ça pour d'autres villes. J'aurais dû choisir Lyon. Ça aurait été évité. Gros problème. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vachement intéressant déjà. Alors, je vais juste, hop, grouper tout ça pour pouvoir bouger ça plus petit.
Ah, c'est sympa. Vous avez vu, en quelques secondes, sans trop me prendre la tête, j'ai été chercher une belle inspiration et je l'ai appliquée simplement. Et là encore, on ne voit pas du tout que j'ai piqué l'idée du tout. C'est complètement différent, mais en 2, 3 mouvements, en suivant tous nos éléments du branding qu'on a déjà posés ensemble, donc les couleurs, les fontes et nos différentes fontes et le style graphique que j'ai créé, on va trouver quelque chose d'assez sympa. Maintenant, on va essayer d'utiliser cette idée de le marquer en rond là, c'est sympa. Peut-être pour mettre le logo un petit peu plus compact, on va utiliser par exemple la première lettre du mot Babel. Donc attendez, on va dupliquer ça. Hop, tadada, on va descendre ça, on va. J'entends sur le chat qu'il y a pas mal de gens qui disent d'où ils viennent. Donc, on a du Vaucluse, on a de Bretagne, on a pas mal. Donc, ouais, on aurait pu mettre Babel Coworking Space de Brest. Ça pourrait être sympa. Et oui, peu cher aussi. Mais bon, je ne sais pas si c'est peu cher. Ça a l'air assez élégant d'ailleurs, ça. C'est peut-être un coworking pas un petit peu cher, mais bon. Allez, alors j'ai mon B ici et on va essayer de faire tourner le texte autour du B. Donc ça, c'est une fonctionnalité vachement cool quand même, si vous ne la connaissez pas encore, qui donne un effet assez sympa. Alors, on va marquer, non, on va reprendre notre texte ici. Hop, hop, hop. Je me suis fait, j'ai perdu ma concentration. Vous écoutez, savoir où vous venez. Hop, on enlève ça. Allez, hop. Hop, je vais juste récupérer le mot coworking. Et maintenant, on va rajouter Marseille derrière. Donc, je mets un espace Marseille. Et là, je vais aller faire un truc assez marrant. C'est qu'on va ici, vous voyez cette petite fleur. Et en fait, là, on a différentes options. On peut faire en cercle entier. On devrait mettre ça un peu plus grand. Ouh, en cercle entier. Ou alors, on peut faire en demi-cercle, en haut, en bas. Vous pouvez choisir. Nous, on va utiliser le cercle entier et on va mettre pas mal d'espacement aussi. Comme ça va faire plus léger, plus agréable. Allez, hop, tadadam, je trouve ça assez sympa. Maintenant, ça c'est joli, mais regardez, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, on peut le lire simplement. Tiens, ça c'est cool. Est-ce que c'est unique? En quelque sorte, oui, on l'a vu un peu quand même, ça pourrait être plus unique que ça. Mémorable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire un peu plus unique et un peu plus mémorable? Si vous vous souvenez, dans notre style graphique qu'on a fait la semaine dernière, on avait utilisé des espèces de doodles, des espèces de coups de crayon comme ça qui étaient sympas derrière ou des petites lignes. Alors, on va essayer de revoir si on peut récupérer ça. Maintenant, on va aller dans Design Asset. On va se retrouver dans les éléments. Tadam. On était dans les éléments la semaine dernière. On a été dans les doodles. Et si je me souviens bien, on était là-dedans. Mais attendez, je vais regarder là-dessus parce que j'ai une petite idée. Si j'arrive à trouver mon petit cercle de tout à l'heure, et on va pouvoir vraiment s'amuser. Hop, voilà, peut-être que c'est il y a beaucoup, il faut savoir bien regarder parce qu'il y a plein de petits éléments qui vont me permettre de faire des trucs sympas. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, je vous encourage grandement à aller explorer tous ces éléments et voir ce que vous pouvez trouver parce qu'il y a vraiment des trucs vachement sympas. Je vais peut-être devoir tricher un petit peu si j'arrive pas à retrouver, sinon on va perdre un peu de temps. Est-ce que je vais arriver à le trouver? Est-ce que je vais arriver à le trouver? Attendez, on va essayer de faire ça comme ça. Si je reviens dans le doodle ici et si je tape, est-ce qu'on va arriver à le trouver simplement? Non, j'arrive pas à le trouver. C'est pas grave, vous inquiétez pas parce qu'on va faire ça. Je vais tricher. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je me suis amusé et j'ai trouvé un cercle vachement marrant. Hop, ici, tac, je le récupère. Je vais le ramener de mon côté pour vous montrer. Hop, j'ai trouvé ce cercle-là qui était sympa. Encore une fois, on peut changer là. J'ai été récupéré. On a nos différentes couleurs de la palette de couleurs que nous avons mis pour notre image de marque. Et on va récupérer une couleur un peu légère. Hop, on va l'agrandir et on va la placer derrière. Hop, je vais la faire passer derrière. Et voilà. Ouais, des signatures. Alors, Béa, tu demandes si ça doit correspondre à ta signature. Est-ce que tu peux me préciser, signature, qu'est-ce que tu demandes? Là, on parle d'un logo. Donc, c'est un logo que tu vas pouvoir utiliser sur tes réseaux sociaux, sur tes business cards ou en effet sur ton email de signature d'email. C'est quelque chose que tu vas utiliser tous les jours. En tout cas, à chaque fois que tu te montres visuellement, il faudra que le logo soit assez
proche ou en tout cas accroché pour que les gens créent un lien entre ton image de marque et ce logo. C'est vraiment la truc principale. Donc, voyez, regardez, j'ai récupéré Béa, d'ailleurs, si tu as des précisions, marque-le sur le chat et je vais répondre un peu plus tard à ta question plus précisément. Juste un point sur ce logo. Vous voyez, très simplement, j'ai réussi à faire un truc beaucoup plus unique d'un coup. C'est plus un logo. Si on avait perdu ce petit rond derrière, c'est assez banal. Et dès que je mets petit rond, c'est beaucoup plus unique. Ça crée quelque chose de mémorable et ça reliait aussi un peu au style graphique qu'on a utilisé, qu'on a créé la semaine dernière. Et regardez, maintenant, on va aller à la page d'après où j'ai finalisé un petit peu le logo. Et regardez là. Hop, on le met ici avec le lien. On voit comment il peut d'ailleurs, on va zoomer, s'intégrer sur des posts pour les réseaux sociaux. Vous voyez, même avec, en jouant sur les couleurs des fontes. Et là, c'est assez sympa aussi, comme j'ai marqué Coworking Space Marseille, accroché ici. Donc, il y a plein de petites options sympas. Maintenant, je vais prendre 5 minutes pour faire la deuxième option parce que ça, c'est marrant. On va refaire la même chose. Hop, Babel. On va marquer Babel encore une fois. Tac. Et cette fois-ci, on va essayer de faire un truc vachement marrant. Babel, hop, on va récupérer la même fonte en remontant tout là-haut. Ah, voilà. Super, allez. Voilà, on y est. Donc là, c'est sympa. Et vous voyez ce que j'ai bien aimé dans cette idée, c'est de pouvoir changer des lettres à travers le monde, à travers le mot, pour faire un truc un peu plus intéressant. Et ça, alors c'est à vous d'aller chercher un petit peu, aller faire votre recherche et faire une moodboard qui soit intéressant. Et moi, quand moi j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé justement cet artiste super sympa qui s'appelle Harry Wright. Là, je vous montre vite fait son Behance. Et il a fait une fonte super marrant, random, où il y a plein de lettres complètement folles. Et ce A est super marrant, il est super joueur, et ce serait un super contraste avec la fonte Babel qui est très traditionnelle, et un A qui va changer complètement la donne et qui fera vraiment quelque chose de mémorable dans votre tête, pour vous verrez. Donc, j'ai contacté ce designer pour savoir si je peux utiliser son A, qui je trouve vachement sympa. Il m'a dit, bah, vas-y, faites-vous plaisir. Je vous laisserai d'ailleurs un lien de son ambiance qui est sympa. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer son A. Je vais faire un screen grab, tout simplement. Et là, hop, je le transfère. Je lui fais, on enlève l'arrière-plan. Simplement, on laisse la machine travailler. Elle va me sélectionner juste mon petit A. Merci. Merci Adobe Express. C'est tellement simple. Et là, comme on avait fait la semaine dernière, on va dans les filtres et on va lui dire que voilà la couleur. Alors, c'est ma couleur. Ma palette de couleurs. Tac, mon petit orange. Bon, maintenant, on va essayer d'introduire ici. Donc, pour introduire ici, le plus simple, c'est de dupliquer ce mot. On va créer un peu plus d'espacement pour que ce soit un peu plus agréable. Voilà, merci. On va dupliquer le mot. Et voilà. Là, moi, je vais garder juste le B de Babel. Voilà. Et là, on va garder juste le. Allez, BEBL. BEBL, Babel. On va remettre là, ça au plus précisément qu'on le peut. Et maintenant, je vais chercher mon A et on va remplacer le A tout simplement dans le mot de Babel. Allez, hop, hop, hop. Zoomer. On va bien le placer. Après, va falloir y aller un petit coup avec les yeux pour être sûr que tout se passe bien. Le A, je pense qu'on va faire un peu plus gros. Et là, vous voyez, d'un coup, en faisant ça, après, vous pouvez me dire, oui, mais moi, je préférais les mots d'avance, ça faisait plus chic ou quoi. Mais ce qui est important, c'est que quand vous allez voir ce logo, vous allez vous en souvenir. Parce que c'est la première fois que vous voyez un A complètement fou au milieu d'un mot comme ça. Donc, ça va créer quelque chose vraiment unique et quelque chose de vraiment mémorable qui va vraiment changer la donne de tout ça. Et vous allez pouvoir, d'ailleurs, après, on va mettre une ligne, par exemple, marquer Marseille en dessous, faire un truc assez sympa. Et je vais vous montrer comment. Je fais ça. Si j'arrive à grouper tout ça, voilà. Maintenant, on le groupe. Ce sera plus pratique à manipuler. Ah, ben le A. Attendez, tac, tac. Je vois que les gens disent cool. En effet, c'est cool, hein, ça change. Hein, c'est pas unique en fait. L'idée vraiment avec un logo, c'est pas forcément de faire quelque chose de très compliqué, mais c'est de faire quelque chose d'un peu unique qui sort des lignes qui sort des chemins battus et ça va permettre aux gens en 30 secondes ah ben ça c'est unique, j'ai pas vu ça d'avant. Et ça vous permettre que les gens vont créer un lien avec vous et avec votre identité de marque beaucoup plus fort. Alors moi là je cherche une petite ligne un peu marrant, ce serait marrant d'aller voir si là
je peux en trouver, pour créer un petit élément graphique en dessous qui nous permettrait de récupérer. Est-ce qu'il y a une image? Est-ce que c'est que du. Je voulais un truc un petit peu. Qui a un petit peu de patine. Voilà, peut-être ça. Hop. On va tester ça. Ah, elle est là. Voilà, un peu fait à la main. Mais je vous montrais parce que j'ai bien sûr. Je me suis un peu amusé tout à l'heure. Je vous montrais ce que ça va donner. Mais là, c'est juste pour vous montrer un petit exercice. Hop, bien sûr, vous y appliquez votre fond, votre couleur de. Votre palette de couleurs, on va y arriver encore. Et là maintenant, remarquez encore Marseille. Désolé par les Parisiens, vous allez me haïr à la fin de la journée. Peut-être pas à la fin de la journée, directement là, maintenant, vous allez déjà me haïr. Allez, on va chercher de l'ato encore. Hop, on va mettre ça l'ato régulier, il va venir doucement. Hop. Alors, KLC, tu as les deux mêmes voyelles. Dois-je la différencier? Après, c'est une idée de style. Là, c'était intéressant que dans un mot comme ça, il y a une lettre qui change et qui saute aux yeux. Donc, c'est assez marrant. Alors que, bon, s'il y a deux voyelles, on peut faire quelque chose de marrant. En effet, il y a un jeu. Ouais, peut-être pourquoi tu le fais en petit, là, j'avais testé de faire bébé aussi à un moment pendant des trucs, mais je trouvais ça visuellement pas forcément très génial. Maintenant, moi, le conseil que je peux vous donner à tous, quand on fait des logos, et même des designers qui font des logos qui sont parmi nous, ils pourront sûrement dire que j'ai raison, ou peut-être, ou pas, c'est vous faites plein d'essais. Vous copiez-collez, vous faites un truc, vous changez. Alors, tu en fais un avec les deux voyelles différentes, un avec les deux mêmes voyelles, et tu les mets côte à côte. Et t'hésites pas à en faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je te montre des planches de travail quand je travaille pour un client, il y a des fois plus de 100 logos qui sont des petites variations une par une, et tu les regardes et tu vois celui qui marche le mieux. Là, par exemple, le A, il est légèrement plus grand parce que je sais que c'était plus joli. Quand j'ai mis tout à l'heure le A à la même hauteur, ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, il faut vraiment tester. Maintenant, je vais vous montrer vite fait. Qu'est-ce que ça a donné quand j'ai fini tout à l'heure? Vous voyez, j'avais marqué Babel, la petite ligne fait main un peu comme ça, avec marqué Marseille. J'avais utilisé aussi, puis je regardais comment on pourrait aussi utiliser le A tout seul derrière avec marqué Marseille Coworking Space. Donc c'est assez marrant, vous voyez, comme on peut, assez sympa, hein, assez simplement, s'amuser comme des fous sur Adobe Express. Il y a plein d'effets aussi si vous voulez faire du. Je vais vous montrer juste un truc rapidement, si j'arrive à sélectionner. On peut faire des ombres portées vachement sympas, hop, qui vont se balader. Là, si je vous mets une couleur qui saute de l'œil. Vous voyez là, comme ça va marrant. Et puis après, il y a les contours aussi qui sont marrants. On peut faire des contours en vert foncé, complètement fou. Bon, là, bien sûr, je le fais très rapidement, ça donne pas beaucoup. Mais vous voulez aller vraiment très loin. Et encore une fois, l'idée, comme je vous le dis tout le temps, vous commencez par une mood board. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous faire vos recherches, regarder, trouver des inspirations, le logo vraiment beau. Et après, vous prenez cette inspiration et vous l'appliquez. Vous voyez, j'ai pas commencé directement sur ma page blanche et aller faire des trucs. Regardez, quand je fais des trucs un peu dans tous les sens, ça fait des trucs pas très jolis comme je viens juste de faire. Et ça, c'est pas très esthétique. Par contre, quand je me suis, même en tant que designer depuis 20, 25 ans, même plus que ça, j'ai utilisé ma mood board précisément et j'ai appliqué ce que j'ai trouvé vachement sympa. Donc ça me sauve du temps et ça me permet de faire des designs beaucoup plus jolis, surtout si vous êtes pas des designers entraînés ou si vous n'êtes pas des créatifs bonnes nés, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais juste finir. Ouais. Alors, il y a une question, j'entends dans l'oreillette, c'est génial, j'ai Franck qui me dit des petits trucs. J'ai omis de comprendre le nom, mais par contre, on m'a dit, ça y est, j'ai plus besoin d'illustrateur, je me lance, je fais du logo avec Adobe Express. En effet, c'est quand même vachement pratique. C'est vrai qu'Adobe Express, c'est un outil qui laisse la possibilité à tous, à des non-designers, à faire des trucs vachement bien poussés. Et encore une fois, ici, avant que je me fasse crier dessus par d'autres designers, on n'est pas là pour créer des identités de marque pour des grandes marques multinationales. C'est du personal branding. C'est vous vous lancez ou vous êtes une petite entreprise ou une start-up. Vous n'avez pas forcément besoin de ce grand étalage d'images de marque, charte graphique et ainsi de suite. Action simple, une belle typographie et vous avancez, ce sera beaucoup mieux. Avant qu'on parte, juste pour vous retenir, et ça c'est pour finir, ça conclura bien avec ce petit mot sur le chat que vous m'avez donné. Commencez toujours par une superbe typographie.
No stress, n'essayez pas de chercher à faire un super logo de fou. Il y a des grandes marques qui n'ont même pas le logo du tout, qui arrivent à faire des millions d'euros par an. Il n'y a pas de problème du tout. Donc, commencez par une superbe typographie et après, vous marchez autour de ça. N'hésitez pas à jouer avec l'espacement entre les lettres, entre les lignes et les grosseurs de police. Donc, si c'est régulier, bold, mais aussi les capitalisations. Donc, si c'est en capital, petite. Ouh, lowercase, oh, je ne sais plus comment on dit ça en français, c'est une horreur. En minuscule, minuscule, minuscule et capitale. Et voilà, utilisez et changez même des lettres, changez les fontes. Amusez-vous un peu, voir ce que ça peut donner, parce que ça va donner des émotions complètement différentes. Et faites en sorte toujours que ça suive les valeurs et le style graphique que vous avez déjà mis en place avec les étapes une par une qu'on a fait les sessions dernières. Ensuite, n'hésitez pas à changer ou transformer des éléments de votre logo pour le rendre unique. Vous avez vu la dernière chose qu'on a fait en changeant le A, quelque chose de superbement simple, mais ça a complètement changé le logo. Et maintenant, que vous aimiez ou pas le style que ça a créé, ça vous sautait à l'œil. Et maintenant, ouh, ah tiens, Babel, c'est intéressant. Ça vous donne envie de savoir plus à propos de cette image de marque, à propos de cette compagnie, ce coworking space, ce super coworking space à Marseille. Voilà, ça, c'est un bon truc. Ensuite, faites en sorte que votre logo soit lisible à toute taille. Alors ça, je l'ai pas encore trop touché. On en verra ça la semaine dernière, la semaine prochaine, quand on fera des photos de profil. Voilà, les logos, vous allez pouvoir les voir en grand, mais de temps en temps, ils vont être en tout petit sur votre smartphone. Donc, il faut être en sorte qu'on puisse les voir à toute taille. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant. Vous voyez, quand je faisais des logos avec juste le B, le logo un petit peu diminué afin de pouvoir le voir à toute petite taille aussi. Mais ça, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Et voilà pour finir le bonus de cette semaine, qui est un bonus qui va s'étendre tout le mois de décembre. Je fais chaque jour les 12 cadeaux de Noël. J'ai commencé hier et c'est montrer comment je vous donne des templates sur Adobe Express pour créer tous vos éléments de réseaux sociaux. Donc, on va faire les images de profil la semaine prochaine, mais j'en ai déjà fait là, hier. Aujourd'hui, j'ai fait les banners et ainsi de suite. Donc voilà, chaque jour, je vais vous donner des templates qui seront accessibles sur Adobe Express, sur une librairie Adobe Express. Donc suivez-moi Adrien Châtelet sur Instagram et vous aurez chaque jour une template gratuite à utiliser pour vos réseaux sociaux. Et voilà pour aujourd'hui et voilà pour nous aujourd'hui. J'espère que j'ai fait plein de choses. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes, les mettez-le sur le chat et la petite voix dans mon oreille va me les poser. Sinon, on va se retrouver la semaine prochaine. J'espère vraiment vous revoir la semaine prochaine. On va parler, comme j'ai dit, des photos de profil la semaine prochaine. On va en designer. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver toutes vos sessions le lundi, mardi, mercredi à 16h et spécialement les sessions du jeudi, du vendredi avec Franck à 14h qui seront Ask un pro et All About Photoshop. Est-ce qu'on a une question ou deux d'aujourd'hui que je pourrais dire? Alors, pas de questions, mais des grands merci. Merci beaucoup à tout le monde qui me fait des merci. Oui, Franck, tu me disais? D'accord. Donc, Gaël, tu voulais des détails. Franck, tu as mis dans le chat d'autres liens de session. Si vous voulez retrouver toutes les sessions précédentes, si vous n'avez pas vu encore, vous avez un lien ou alors allez tout simplement sur beyonce.net/live/fr et vous tapez mon nom tout simplement Adrien Châtelet et vous trouverez toutes les sessions précédentes aussi. Et puis c'est tout, c'est vendredi soir, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère tous vous retrouver et plus la semaine prochaine. Et on se retrouve sur mon Instagram pour tous les jours, pendant 12 jours, des templates gratuites sur Adobe Express. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de vendredi. Bye bye!